Qui a compté les oisillons? Et qui peut dire? Il y a souvent une question qu'on ne se pose pas, qui est la question des objectifs de l'éducation. À quoi ça sert l'éducation? À quoi sert l'école? On est dans un monde qui change extrêmement vite et dans lequel il y a plein de défis individuels et globaux. On a vraiment, vraiment besoin de permettre l'émergence de citoyens épanouis, responsables, qui contribuent à une réelle évolution de l'humanité. Même si on est tout petit, il faut quand même essayer de faire quelque chose. Les enfants d'aujourd'hui, en gros, il faut leur apprendre à la fois à être bien avec eux-mêmes, de façon à donner le meilleur de ce qu'ils peuvent être, et il faut leur apprendre à faire avec l'autre. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. On aide les petits. S'ils ont besoin d'aide. Si on veut mettre au défi l'école d'hier de répondre aux questions d'aujourd'hui, mais on est totalement à côté de la plaque. Est-ce qu'on peut rire de tout? Je le vois. Les enfants peuvent arriver en courant à l'école et le jour où ils sont malades, être désespérés. Je me sens vivant. C'était probablement une idée folle d'inventer l'école, et c'est probablement une idée folle de vouloir changer l'école, mais en même temps, si on est dans un monde qui est toujours plus fou, s'adapter à ce monde en changement, ça suppose de mettre une école en changement et de faire des enseignants comme des élèves, des acteurs de changement. En fait, c'est fait pour s'éduquer dans la vie. Voilà.